Nous avons toutes et tous déjà vu et connu ces réussites rapides et flagrantes et même fulgurantes. Des personnes qui, totalement inconnues du jour au lendemain, deviennent connues, célèbres sur leur marché, explosent, réussissent absolument. Et on parle souvent de réussite rapide et même très rapide. Mais est-ce vraiment le cas? Peut-on réussir rapidement du jour au lendemain? Ou alors est-ce un mythe? Il y a 5 vérités à connaître sur les réussites rapides. Et dans la suite de cette vidéo, je vais vous les partager et vous les révéler. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Dans cette vidéo, je vais vous partager ces 5 vérités à connaître sur les réussites dites rapides et flagrantes et fulgurantes pour que vous puissiez comprendre ce qu'il y a derrière et à votre tour pouvoir les utiliser de la meilleure façon possible. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci d'être là. Pour ne manquer aucun des prochains partages, je vous invite à faire deux choses. Un, cliquer sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner, et puis ensuite cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si au moment où vous suivez cette vidéo, que vous êtes dans votre parcours de réussite, vous attendez cette fameuse réussite lorsqu'elle viendra. Vous vous dites quand est-ce que je vais enfin réussir? Quand est-ce que je vais enfin pouvoir transformer mes projets fous, tout ce travail que je mets en œuvre chaque jour en réussite concrète? Et au même moment, vous voyez d'autres personnes qui arrivent, qui débarquent et boum, qui se font connaître, qui explosent. Et vous vous dites comment font-elles pour connaître ces réussites rapides du jour au lendemain? Je voudrais vous partager ces 5 vérités qui vous permettront de mieux comprendre les choses afin de pouvoir les mettre au service de votre propre réussite. La première vérité à comprendre, c'est que la réussite ultra rapide du jour au lendemain est en réalité un peu un mythe. En réalité, il faut bien comprendre ce que je veux dire par là. Il y a des personnes effectivement qui se font connaître du public, du grand public, du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on met la lumière sur elles du jour au lendemain. Mais en revanche, ce ne sont pas des personnes qui ont simplement un matin en se levant commencé à avoir plein de talents, commencé à développer leurs compétences, commencé à faire ce qu'elles savaient faire de mieux. Non, en réalité, elles le faisaient déjà longtemps avant. En fait, elles s'entraînaient toujours déjà avant. Mais la seule différence, c'est que la lumière n'était pas encore sur elles. Elles étaient tout simplement dans l'ombre et elles travaillaient jour après jour pour trouver la bonne façon de faire prendre, de prendre la bonne méthode, la bonne formulation. Et lorsqu'elles ont eu cette bonne formule, elles ont commencé à avancer. Et c'est à ce moment-là que la lumière s'est mise sur elles. La bonne formule avec la lumière sur elles a fait en sorte que boum, du jour au lendemain, tout le monde a commencé à voir et à découvrir ce qu'elle faisait et qu'elle réalisait. Mais seulement voilà, cela ne vous garantit pas une réussite sur le long terme parce que la lumière est sur vous et si vous n'avez pas pris le temps toute votre vie de vous entraîner même lorsque vous étiez dans l'ombre, cette lumière ne durera qu'un temps, elle s'en ira aussitôt. Et si vous avez compris que cet entraînement, même lorsque vous êtes dans l'ombre, est tout aussi important que lorsque vous êtes dans la lumière, vous ferez en sorte que quand lorsque cette lumière viendra sur vous, sur votre entreprise, sur votre business, eh bien, vous pourrez comme ça la maintenir, maintenir cette flamme dans la durée. Parce que les gens peuvent venir sur un coup de projecteur qu'on met sur vous. En revanche, ils resteront parce que vous avez quelque chose qui a de la valeur, quelque chose à leur partager pour leur donner envie de rester. Et la seule façon de le faire, c'est de ne pas attendre qu'une réussite flagrante, fulgurante vienne du jour au lendemain tomber sur vous, mais c'est de vous entraîner chaque jour de votre vie comme si elle était prévue pour aujourd'hui, chaque jour de votre vie, oui, à ce moment où vous suivez cette vidéo, vous devriez déjà être en train de préparer comme si vous étiez ici devant tout le monde. Et pensez à cette image de cet artiste inconnu, il y en a chaque année qui arrive dans les médias, on entend parler d'elle ou des entrepreneurs dans votre ville ou aux régions. Mais pendant que vous ne les connaissez pas encore cette année, elles sont en ce moment même en train de s'entraîner dans l'ombre. Et peut-être que l'année prochaine, ce sera leur tour, peut-être le mois prochain, peut-être la semaine prochaine. Et si c'était vous? Et donc pensez à cette grande vérité, c'est que cette réussite du jour au lendemain, elle se fait simplement à l'extérieur, ce qu'on voit. Mais par contre, derrière, ce qui provoque cette réussite, c'est ce travail quotidien qui se fait très très souvent dans l'ombre. La deuxième vérité à comprendre, c'est que votre réussite est comme une expérience multiple et continue. Cela veut dire quoi? C'est que votre réussite n'est pas un moment, un instant T. Ne vous engagez pas à vous dire « j'attends juste un seul jour de ma vie où je pourrais me lever un matin et dire simplement à ce moment-là j'ai réussi ». Parce que la réussite est beaucoup plus vaste que ça. La réussite n'est pas que dans un domaine de vie. La réussite, elle est beaucoup plus holistique, elle est beaucoup plus complète que ça. Si vous réussissez financièrement, mais dans votre vie personnelle, familiale, que vous n'êtes pas en paix à l'intérieur de vous-même, ça ne s'appelle pas la réussite. Donc, pour pouvoir réussir dans toutes ces sphères de votre vie, il faut prendre le temps et pendant ce temps-là, vous ne devez pas attendre
vous devez savourer chaque étape intermédiaire. Donc c'est comme ici, une expérience multiple et continue. Si vous changez cette philosophie de vie, cette façon de penser, dites-vous que chaque jour vous réussissez un peu. Déjà, quand vous vous levez le matin, que vous êtes toujours en pleine santé, vous réussissez. Et lorsque vous avez un projet aussi petit soit-il, lorsque vous l'accomplissez, c'est déjà une réussite. Prenez le temps donc ici de profiter de chaque instant et de grandir de votre parcours de réussite et de transformation pour faire en sorte finalement que lorsque la lumière viendra sur vous, que cet entraînement-là soit effectivement pour le grand public une grande surprise. Mais pour vous, ce ne sera pas une surprise parce que chaque jour, vous l'aurez déjà apprécié et surtout, vous l'aurez déjà préparé. La troisième vérité à comprendre, elle suit la précédente, c'est que votre réussite, votre liberté suit le principe de l'effet cumulé ou des intérêts composés. On en parle souvent dans le domaine de l'argent, des finances, dans le domaine bancaire, quand on vous parle de l'effet composé ou de l'effet cumulé. C'est-à-dire quand vous avez par exemple sur un compte de l'argent et qu'il y a des intérêts qui s'additionnent comme ça, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, et à la fin, vous avez un capital qui est beaucoup plus grand avec des intérêts. Eh bien, votre réussite suit ce même principe. Si vous suivez le point 2, la deuxième vérité que je vous ai partagée précédemment, vous devez comme ça ajouter. Donc pour ça, il faut placer, il faut investir pour qu'il y ait cet intérêt cumulé. Si vous ne décidez pas d'investir, vous n'aurez pas d'intérêt cumulé, vous n'aurez pas ici d'intérêt composé qui se créeront. Non, c'est logique. Il y a donc toujours cette condition qui doit précéder. Vous devez investir pour obtenir ces intérêts composés, cumulés, appelez-les comme vous le voulez. Et dans cette métaphore, dans cette image que je vous présente, investir, c'est décider de vivre une vie haute en couleur. Décider donc de réussir. Et de réussir, rappelez-vous, c'est une expérience multiple. Donc de faire en sorte que chaque action que vous portez ait une récompense positive. Ce que vous qualifierez de réussite. Parce que la réussite pour vous n'est pas forcément la même que pour lui ou que pour une autre personne. Vous devez donc partir de cet état d'esprit-là et de cumuler comme ça chaque jour de votre vie. Lorsque vous comprenez ce principe d'intérêt composé d'intérêts ou d'effets cumulés, vous commencerez chaque jour à investir une action après l'autre, une action après l'autre pour construire les plus belles réussites, cette expérience multiple et continue que vous méritez tant. La quatrième vérité à comprendre, c'est que l'insuccès ou l'échec n'existe pas vraiment. En réalité, si, il existe, mais il n'est pas à considérer comme on le considère habituellement comme quelque chose de négatif. Évidemment, c'est une expérience, on vous l'a déjà dit maintes et maintes fois. Ce que je voudrais que vous puissiez comprendre, c'est que même si vous échouez au sens général du terme, parce que l'échec est évidemment une belle expérience, mais vous pouvez échouer de nombreuses fois et avoir le sentiment de ne rien réussir, en me disant je n'ai pas réussi, pour ma famille, pour mes enfants, pour mon entourage, l'âge avance et je ne me sens pas réussir. Si vous sentez cette frustration, je voudrais vous rassurer en vous disant ceci. Même si vous avez 1000 fois manqué votre cible, il suffit de l'atteindre une fois, une première belle fois pour que l'on se maintienne, qu'on maintienne cette belle expérience, pour qu'en réalité votre histoire soit une histoire de réussite. Regardez, observez, toutes les personnes qui ont construit de grandes histoires ont un parcours semé d'embûches, ont collectionné les insuccès temporaires. C'est pour ça que j'appelle l'échec l'insuccès temporaire. Pour finalement, à un moment, construire quelque chose de très puissant. Pour elle, c'était une collection de réussites parce que rappelez-vous, il y a beaucoup de réussites intermédiaires. Mais cette fameuse réussite, ce moment, cet effet cumulé qui a donné un vrai capital à un moment, qui s'est fait connaître au grand public parce qu'on a mis la lumière dessus, a fait en sorte que le monde entier s'est dit « Waouh, cette personne est une personne pleine de réussite », en oubliant qu'il y a eu peut-être 1000 insuccès temporaires avant. Mais c'est grâce à ces 1000 insuccès temporaires que cette personne-là est qualifiée comme de personne qui a beaucoup de réussite. Donc si au moment où vous suivez cette vidéo, vous avez le sentiment de tout rater, de tout manquer, d'être loin de là où vous devriez être, rappelez-vous, il suffit d'accrocher une belle foi pour toutes les choses pour pouvoir voir cet effet cumulé donner des dividendes, donner des rendements, donner des retours très importants sur votre investissement. Et puis, la cinquième vérité à savoir, c'est que les gens autour de vous retiendront les réussites, votre histoire comme histoire de réussite, même si effectivement vous avez collectionné de nombreux insuccès temporaires avant. Ça poursuit le point numéro 4, mais c'est pour vous dire que dans la mémoire des gens, ce sera finalement une belle histoire de réussite et que tous vos insuccès temporaires qui auraient pu vous déplaire ou qui vous déplaisent maintenant, au moment où vous les vivez, au moment où c'est inconfortable, deviendront vos plus grandes ressources, vos plus grandes forces. Et vous les avez vécues, vous les vivez peut-être encore en ce moment, vous saurez en faire des forces et ce sont même des investissements pour vous. Ces moments d'insuccès temporaires deviendront en fait des ressources pour les investir. Comment ?
vous pourrez écrire des livres pour en parler. Vous pourrez inspirer d'autres personnes en partageant vos histoires d'un succès temporaire et créer des business autour de ça, créer de l'impact autour de ça, changer la vie des autres, inspirer le monde et donner les raccourcis que vous avez découverts. Parce que ce dont on se rappellera, ce sera évidemment la somme et ces intérêts que vous aurez réussi à créer, ces rendements impressionnants que vous aurez fait. Et pour ça, il faut commencer à investir dans votre réussite et c'est pour ça que vous suivez cette vidéo en ce moment. Pour résumer les 5 vérités à connaître sur les réussites rapides, la première, c'est que la réussite du jour au lendemain est en réalité un peu un mythe parce que c'est uniquement la lumière qui a été mise du jour au lendemain. En revanche, le travail n'était pas du jour au lendemain, le travail était beaucoup plus long. Donc ne perdez pas un instant, commencez dès maintenant à travailler et investir parce que cette lumière pourrait venir sur vous à n'importe quel moment. La deuxième vérité à savoir, c'est que la réussite est une expérience multiple et continue. Ne pas s'arrêter sur un seul point, mais pouvoir les cumuler pour pouvoir vivre l'instant présent avec beaucoup de plénitude, avec beaucoup de gratitude. La troisième vérité, c'est que votre parcours de réussite suit la même logique et le même parcours que les intérêts composés ou que l'effet cumulé. Cela veut dire que tout ce qui se passe dans l'ombre est tout aussi important que ce qui se passera dans la lumière. La seule différence, c'est que vous aurez de la lumière sur vous et que le monde le verra. Mais en réalité, vous pouvez déjà maintenant investir chaque jour de votre vie. La quatrième vérité, c'est que vous pouvez vous planter nombreuses fois et ensuite présenter une belle réussite visible pour le monde autour de vous pour que vous soyez fiers de vous et que vous soyez plein de réussite. Et puis la cinquième vérité, c'est que les gens se rappelleront de vos réussites et puis vos insuccès temporaires deviendront vos ressources, vos grandes forces. Et si vous suivez cette vidéo en ce moment, c'est sans doute parce que vous vous intéressez à la liberté financière, vous voulez développer une activité profitable autour de votre expertise, de vos compétences, de vos connaissances, de vos savoir-faire et de votre savoir-être. Eh bien, si c'est le cas, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Je voudrais vous partager dans une conférence en ligne offerte le modèle de business simplifié que nous utilisons en interne et que nos clients utilisent pour transformer de parfaits inconnus en clients haut de gamme, pour développer un business en suivant un modèle très simple qui va à l'essentiel et qui permet vraiment de transformer sa vie pour passer de la confusion, de la frustration à la vraie liberté financière. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le i comme info ou le lien est qui est ici dans la description. Vous pourrez choisir l'horaire qui correspond le mieux à vos meilleures disponibilités et vous pourrez le suivre depuis le confort de votre ordinateur. Vous aurez également l'occasion de pouvoir télécharger le parcours de transformation de l'entrepreneur prospère Alex. Ce sont les 4 phases que chaque entrepreneur doit pouvoir suivre et traverser pour pouvoir dépasser la première barre des 100 000 euros, ensuite la barre du premier million d'euros et ensuite de le reproduire chaque année, année après année. C'est le parcours que j'ai réuni ici après plus de 15 années d'expérience entrepreneuriale que je continue encore à développer chaque jour et que je voudrais ici vous faire profiter à votre tour. C'est tout à fait offert, il suffit de cliquer ici où le lien est dans la description. Voilà mes passionnés de liberté, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi avec un grand pouce comme ça vers le haut. Vous pouvez vous abonner également en appuyant sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner. Pensez à activer la cloche qui apparaîtra juste après. Laissez-moi au bas de cette vidéo en commentaire. Et vous, quelles sont parmi ces 5 vérités celles qui résonnent le plus en vous, qui vous impactent le plus et qui peut réellement changer votre vie, votre quotidien aujourd'hui en l'appliquant, en la comprenant? Laissez-moi d'autres éléments. Si vous avez des questions au bas de cette vidéo, j'aurai l'occasion d'y répondre soit juste ici ou je tournerai d'autres vidéos pour vous répondre. Voilà mes passionnés de liberté. J'ai été ravi de passer ce moment avec vous. Je vous envoie mes meilleurs vœux de succès et de liberté. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. C'était Zico Kiax. Merci.